Django. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous demanderai tous de pouvoir bien regagner notre place, s'il vous plaît. Et chacun de nous regagne notre place, s'il vous plaît. Merci. Et pendant ce temps, je vais demander au couple Mongejo de rester sur scène, sur la piste. Nous attendons les dernières instructions pendant que chacun de nous reprend notre place. Il est écrit, demandez et il vous sera donné. Mais il faut aussi savoir que le donneur, quand il donne, il attend aussi quelque chose en retour. On ne peut pas donner sans retour. Couple Mongejo, j'ai entendu d'autres ici appeler soit l'un papa, l'autre maman. Quelqu'un d'indiscret se proposerait de savoir si réellement celui qui appelait l'un et l'autre papa ou maman était leur fils ou leur fille. Un couple qui a des enfants multiples, autant biologiques que spirituels. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Aujourd'hui, je me suis dit, voilà. Celui qui a toujours été habitué à prendre, aujourd'hui, il est pris. Depuis longtemps, le pasteur ainsi que la chante, servante de Dieu, Mongejo, en unité, ont toujours été à la place où vous êtes pour contempler des boucles, des boucles et des boucles et des boucles qui naissent comme des champignons. Qu'ils ont su venir et qui, étant là où nous sommes là, en train de contempler. Et aujourd'hui, qui contemple-nous? N'est-ce pas eux? Prie! C'est là aussi que, tous unis, ils sont là, un bon groupe. Ils sont bons, n'est-ce pas? Voilà. Il paraîtrait que les bisous ne vieillissent jamais. Vieillissez, refusez même de vieillir, mais quant au bisou, il garde son énergie. Hein. Merci. Les bisous, c'est comme. On ne les titille pas. Quand on les titille, ils viennent en flot. Dans la tête, les bisous. Non. Bien. Je m'explique. Voilà, bien chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, comme je le disais en créant ici, nous savons tous pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour un double événement. En première partie, nous célébrons le 27 ans de mariage. Un quart de siècle de vie commune. Et en deuxième tranche, deuxième étape, nous allons nous réjouir de la moitié du siècle qu'aurait accompli Maman Annie. Et nous allons acheter dans ce sens. Mais pour ce faire, ils m'ont dit, en cette célébration de 25 ans, ils vont se renouveler le vœu. Ils vont redevenir ce qu'ils ont déjà été là. Pour se redire, tu vois, chérie, ce que je t'aurais dit là. Aujourd'hui, parce que en ce temps-là, je l'avais dit parce que j'étais timide. Mais maintenant que je suis, je parle encore d'autres. Encore d'autres. Mais pour ce faire, jamais cela, sans nous remettre à l'éternel.
jamais quoi que ce soit, sans nous recommander à celui qui a fait en sorte que le mariage soit la première institution instituée, implantée et dictée, recommandée sur terre, à tel point que même les déroutés s'inscrivent dans cette logique-là. Dieu est Dieu. C'est pourquoi je vais demander au pasteur de bien vouloir remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Et il y aura une prière, courte prière, parce que nous sommes là pour nous réjouir. Et après la bénédiction, nous allons entendre les mariés s'échanger, ou du moins, oui, s'échanger les renouvellements de Dieu. Merci. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Il y a plusieurs semaines, j'étais avec maman Annie, mais je la regardais avec quelle émotion pour préparer la date d'aujourd'hui. Elle était toujours papa. Et vous regardez que comment ça va se passer. J'ai dit, ma fille, calme-toi. Sois calme. Ce que nous voulons, bien aimé, il est serviteur de Dieu. Il voyage beaucoup. Il se déplace beaucoup. Mais aucun jour, son cœur s'était détourné de son épouse Maman Annie. Amen. Père, amen, le Seigneur. Amen. Et ceux qui peuvent comprendre, comprennent. C'est ce que je dis. Alléluia. Amen. Et Annie, la Bible nous dit que quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette femme, chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. Dieu en créant Ève a dit, je veux créer un être semblable à lui. Et les deux deviendront une seule chair. Pour que le couple réussisse, pour qu'il mette la parole de Dieu en pratique, allez, dominer, ainsi je disais, il a parlé au couple. Alléluia. Et c'est comme ça que la femme doit être aussi fidèle. Alléluia. Pour que les deux marchent ensemble, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, le plan de Dieu c'est quoi? Aller faire de toutes les nations des disciples. Alléluia! Et qu'il se complète. Mon père Jean parle de Dieu et Annie l'accompagne avec dans les chants. Alléluia! Oh, quel couple modèle! Donc aujourd'hui, nous sommes dans la joie de le voir encore là se présenter devant. Vous dire, nous voulons vraiment renouveler nos vœux. Nous voulons que nos bien-aimés sachent que rien ne peut nous séparer, car Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a créé. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là. Ainsi, je vais demander à mon épouse que j'aime bien ma chérie. Ah, vous savez, les enfants de Jésus, ils sont terribles. Parce que moi, je suis aussi habité de Jésus. Et moi, j'étais Marumou. Et je ne voyais même pas la distance qui était entre Marumou et Jésus. J'allais toujours à Jésus. Alléluia. Parce qu'ils renouvellent leur engagement, ils ont préparé aussi des bagues. Et vous avez. Sur notre
Dieu, parce que nous voulons que nous te glorifier. Pour ces années, parce que tes enfants ont apporté, qui est seulement extérieur de leur amour. C'est fait par les maîtres. Nous voulons cet esprit que tu mettes en saut, afin que partout où l'un d'eux sera, qu'il se rappelle de l'autre, que le mari se rappelle de son épouse et que l'épouse se rappelle aussi à son époux. Alléluia! Alors je vais demander comme au premier jour au pasteur de mettre cet anneau. Une année et demie, là où on a été responsable, c'est-à-dire qu'il y a aussi un an.